Le Maccabi Tel Aviv reçoit l'étoile rouge de Belgrade pour concrétiser une belle semaine, commencée par une victoire face à Victoria. Premier ballon pour les Israéliens en bleu et jaune, comme habituellement, étoile rouge en blanc, liseré rouge. Le centre Toskaxia, il n'y a pas de possibilité de se rapprocher. On a mordu à la feinte, mais Wade Baldwin est bienvenu défendre derrière. Rebond mangé sur la tête de Lorenzo Brown par Joel Bolomboy qui ouvre la marque. Wade Baldwin, l'écran de Josh Nebo. Lorenzo Brown qui attendait, qui s'est caché dans le coin. Et voilà le premier tir à 3 points pour le Maccabi. Premier panier du match pour l'équipe israélienne, œuvre de Lorenzo Brown. Il est passé très tranquillement Lorenzo Brown. Encore 3 minutes 45 dans ce premier quart-temps. Il ne nous offre pas de grandes sensations pour le moment. Adam Anga avec Milos Teodosic. Le panier à 3 points et la faute, voilà. Voilà le premier highlight de cette partie. Il est l'œuvre de Milos Teodosic. Bon, la faute, elle n'est pas sur lui. Elle est au milieu, je pense. Le rebond de Tamir Blatt que revoici en zone offensive. Ouais, pour Nebo. Ah, il n'a pas pu monter tout de suite, obligé de ressortir. Et Teodosic va partir vers le panier avec Joel Bolomboy. Qui a posé délicatement dans le filet. Finger roll qui donne l'avantage. Allez, oup, le voilà, le allez, oup. Vers Josh Nebo, servi par Wade Baldwin. Cette fois-ci, était dans le bon tempo, au bon endroit, et plus qu'à claquer. En tout cas, c'est la quatrième faute pour le Maccabi. Les deux équipes dans la pénalité pour finir ce premier carton. Et Milos Teodosic, après avoir raté son premier tir à 3 points, a mis les deux suivants. Un rebond pour l'étoile rouge, ça relance. Et au contre! Teodosic qui va trouver Bolomboy qui marque à 5 secondes de la fin du premier quart-temps. Est-ce que le Maccabi aura le temps de remonter et tirer par Lorenzo Brown au buzzer? Ah oui, Lorenzo Brown au buzzer qui égalise. Il fallait rester sur le terrain parce que Lorenzo Brown a la maîtrise du chronomètre. Regardez-moi ça, envoyé à 3 dixièmes de la fin. Switch. Blatt à l'opposé. La relance, il faut pousser pour que ça arrive jusqu'au bout, mais ça va arriver jusqu'au bout. Marko Simonovic, à deux mains dans le cercle. Simonovic qui trouve Nedovic en transition. Nouvelle passe D pour Milos Teodosic. Parti vers un. Déjà double-double à ce rythme. Qui se retourne et ça arrive dans les mains de Raziel Rivero, un peu par chance. Nedovic. Nedovic, le tir à 3 points va rester dedans pour Mike Toby. 3 sur 3, 3 points dans ce deuxième carton pour l'étoile rouge qui mène de 8. Son plus gros avantage de la partie pour l'instant. Anga sans solution, qui envoie de loin, la relance va être payée, cette initiative de la manga sur cette transition et ce jeu rapide entre Lorenzo Brown ici et Josh Nebo qui avait joué la carotte. Teodosic, coincé, Milos Teodosic, il va quand même faire sauter et mettre ce tir à 3 points, il n'est jamais coincé. Milos Teodosic. La relance à 2 contre 3, on va la calmer pour les Serbes. Teodosic qui enchaîne avec la passe décisive pour Mike Toby. D'écart, un peu moins de 4 minutes à jouer avant la pause. Samir Blatt va se décaler et envoyer ce long tout.
quelques instants pour patienter à la pause. Avec Toby, avec Gelraitis. Ouais, nettoyé, Toby qui récupère et qui dunk. C'est trop facile pour Mike Toby. Pour Bonzi Colson. Et récupéré en deux temps par le Maccabi. Nouvelle chance, Wade Baldwin qui marque pour ramener son équipe à moins 6 à 30 secondes du buzzer de cette première mi-temps. On met ce match au vestiaire pour la pause. Adamanga, 4 secondes. Adamanga juste avant le buzzer. Encore un panier au buzzer, mais après Lorenzo Brown pour le Maccabi, c'est Adamanga pour l'étoile rouge qui donne 9 points d'avance à son équipe pour la mi-temps. Pour les Serbes face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv. Imaginez que l'étoile rouge a mis 51 points en sortant d'un match face au Real. Alors que Milos Teodosic continue son entreprise de conquête de ce match pour Milos Teodosic. Lorenzo Brown qui ne finit pas. Teodosic va pouvoir impulser vers Gelraitis. Ça tombe dedans pour Okan Gelraitis. Ici on avait encore une belle soirée record sur Squeak. Wade Baldwin vers Lorenzo Brown. Quel temps de s'aligner et d'aligner le panier. Attention, ça peut être une deuxième mi-temps bien bien longue pour le Maccabi. Teodosic encore. Il perd ce ballon dans le coin. Wade Baldwin, ouais. Milos Teodosic qui s'excuse. Milos Teodosic va dire, attendez les gars, moi je fais quand même un petit peu mon âge, on va se calmer. Laissez-moi accélérer vers le panier et mettre ce panier-là facilement. Milos Teodosic, quelle partie formidable. 20 points, 11 passes pour Milos Teodosic qui vient de passer les 30 d'évaluation. Permis de remettre 17 points d'avance à son équipe, Damir Blatt. Ouais, il aime ça. Damir Blatt les tire à 3 points. Arc-en-ciel. La vidéo va être avec Teodosic. Milos Teodosic qui passe dessous. La main gauche. Magic Milos. Il n'avait pas mis autant de points dans un match depuis les demi-finales 2017. Milos Teodosic, 25 points. À la manga avec Milos Teodosic. Teodosic pour Gelraitis dans le coin. Et le rebond de Davidovac, incroyable. Davidovac qui va arracher ce ballon des mains du Maccabi pour donner 17 points d'avance à son équipe. La victoire est en train de basculer. Ça fait un moment qu'elle bascule. On va rentrer dans les 5 dernières minutes. Le Maccabi toujours à longue distance. Le alley-oop quand même. Damir Blatt pour Josh Libo. Et l'étoile rouge qui va aller chercher un premier succès à l'extérieur. Sauf si le Maccabi met tout dans cette fin de match comme Damir Blatt. Teodosic qui repart vers le cercle. Milos Teodosic. La passe décisive numéro 13 de Teodosic vers Joël Bolomboy. 27 points, 13 passes. Le match débutant qu'il nous sort, Milos Teodosic. Rafimenko qui marque face à Davidovac. 8 points d'avance encore pour l'étoile rouge, Iago dos Santos qui se précipite dans le coin adverse. Attention à ce ballon perdu, 40 secondes. Si Lorenzo Brown marque là-dessus. Et c'est ce qu'il fait. 6 points d'avance seulement pour l'étoile rouge. Iago dos Santos n'aurait jamais dû perdre ce ballon. Et c'est fini. Et c'est terminé. Milos Teodosic qui va envoyer ce ballon en zone avant. L'étoile rouge s'impose avec un dernier tir à 3 points manqué d'Adamanga. 98-92, le meilleur score offensif de l'étoile rouge cette saison, porté par un surréaliste, surnaturel, surplaisant Milos Teodosic. 27 points, 14 passes, record en carrière en Euroleague égalé, 40 d'évaluation.